Bonjour David Nation, j'espère que vous allez très bien, que vous m'entendez. Alors là, j'ai fini le boulot, je rentre comme ça à la maison. Ce dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est d'une qualité qui est vraiment rare dans notre monde. Il s'agit de la patience. Et c'est vraiment aux entrepreneurs que je m'adresse. Parce que il y a tellement de personnes qui aujourd'hui veulent tout. En Afrique, on parle généralement de la génération pressée. On est tous pressés, on veut obtenir rapidement les choses, mais c'est compréhensible parce que quand on regarde un peu notre monde, d'accord, on a tendance à nous donner tout ce qu'on veut tout de suite. Avant, pour regarder des séries intéressantes, fallait attendre une semaine. Maintenant, les séries, on les a à n'importe quel moment. Il suffit juste d'avoir internet, on a nos séries. On veut perdre du poids, pas la peine de partir transpirer en salle pendant 2-3 mois. Il y a des potions rapidement pour perdre du poids. Donc au final, sincèrement, c'est compréhensible que la patience soit rare à notre époque. Mais dans le domaine de l'entrepreneuriat, si vous n'êtes pas patient, vous allez vous cogner la tête et c'est pas sûr que vous puissiez vous relever. D'accord? L'entrepreneuriat, c'est un jeu qui est extrêmement long. D'accord? Comme le dit un entrepreneur américain qui est assez reconnu, Gary Vaynerchuk ou Gary V, it's a long game. C'est un long jeu et c'est pas fait pour les patients, pour ceux qui font manque de maîtrise. D'accord? Que vous voulez vous mettre dans l'investissement ou dans la vente de services ou je ne sais quoi, si vous n'êtes pas patient, ça va pas marcher. D'accord? Donc, c'était mon petit message. Soyez patient. Je ne sais pas quel business vous êtes en train de lancer. Je ne sais pas ce que vous faites aussi. Ça peut être vendre de la nourriture dehors. Ça peut être lancer une start-up. Ça peut être n'importe quoi. Mais vous ne pourrez pas obtenir de résultats si vous n'êtes pas patient. Moi, je connais. Bon, c'est vrai. C'est possible de gagner de l'argent rapidement, mais il faut travailler de façon intelligente. Et même quand on dit que c'est possible de gagner de l'argent rapidement, c'est pas de grosses sommes d'argent. C'est possible de tester le marché. C'est possible de voir si son produit est vraiment intéressant. C'est possible de voir de l'argent automatiquement venir quand on teste le marché avec son produit. Mais c'est pas possible de gagner des millions, je sais pas, en 1 ou 2 mois. C'est pas possible. Le seul endroit où je pense que c'est possible de gagner des millions rapidement, c'est à la loterie, d'accord? À part ça, moi, je ne vois nulle part ailleurs où on peut gagner de l'argent. Donc, c'était vraiment mon conseil. C'est pas une vidéo longue. Je ne l'ai pas préparé. C'est en venant là, je me suis dit que j'allais faire cette vidéo. Donc, n'oubliez pas de partager. Abonnez-vous à la chaîne. Regardez la vidéo en complément. Et surtout, apprenez toujours. Ciao.